Salut la compagnie, welcome back to my channel. Je suis très heureuse de te retrouver. Si c'est ta première fois de voir cette vidéo ou de me rencontrer, n'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager. Si c'est pas ta première fois, n'oublie surtout pas de partager. You know. In today's video, I wanted to introduce a series of videos that I'm going to be doing for the next 3 weeks. Quelque chose à laquelle j'ai pensé déjà depuis quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est une série de vidéos? Une série de vidéos, c'est 3 différentes vidéos qui n'ont rien à voir l'une de l'autre. Mais c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé pour savoir exactement où me situer en termes de quel genre de content I'm going to be putting out there for you guys. Quel genre de sujet vous intéresse le plus, surtout parce que c'est pas juste à propos de moi, hein, c'est surtout pour vous que je fais ça, mes abonnés, mes subscribers, ma YouTube family. Du coup, j'aimerais recevoir un feedback de vous, les abonnés, parce que it's not just about me, it's about you too, because I want us to have a relationship. Why not? C'est une bonne idée, right? J'ai reçu énormément de suggestions, mais j'en ai choisi que 3. Du coup, dans les 3, j'aimerais sélectionner une seule niche, c'est-à-dire un seul genre de vidéo que je vais commencer à filmer chaque jour. Enfin, pas chaque jour, chaque semaine. Je vais commencer à filmer chaque semaine. Et voilà, donc on commence au premier sujet. Avant de commencer, j'aimerais préciser que la première niche que j'ai choisie, c'est sur l'élégance et le raffinement de la femme noire. So, enjoy. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais parler de 5 styles or 5 trends that I personally find to be ridiculous et qu'on devrait complètement oublier, arracher et brûler pour 2020. Les cheveux colorés, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas aux personnes de couleur noire. Je ne suis pas en train d'insulter, mais this has got to stop. Si tu as une copine qui a des cheveux colorés, dis-lui, now, we have to stop this trend, ok? C'est vrai que pour une ou deux fois, dans certaines occasions, peut-être une soirée déguisée ou quelque chose, ça passe. Mais for an everyday life, tu vas faire un tissage de couleur verte, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On doit arrêter ça quand même, ma chérie. C'est 2020, presque 2021. On doit arrêter ça, d'accord? On doit arrêter ça, on ne va pas ressembler à, je ne sais pas, look, come on guys, this has got to stop, ladies, this has got to stop. C'est tellement, ça n'a tellement pas de classe, ça n'a tellement pas de charme. Mais ça, ça doit s'arrêter en tout cas. Vraiment. D'accord? Thick, heavy eyelashes. Le genre de cils, il y a Kiloana. Les cils qui débordent. Super heavy. Super dense, just like on your face. I mean, come on. On peut essayer de faire mieux. Ça n'a pas de classe, ça n'a pas d'élégance au fait. Je ne sais pas si les gens comprennent ça, mais ça n'a pas d'élégance. J'aurais plutôt opté pour quelque chose de plus naturel. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des longs cils. Moi, d'ailleurs, j'en ai pas. Mais si c'est pour une occasion spéciale, je dirais il faut choisir quelque chose de discret. Tu vois, quelque chose de discret. Tu peux ajouter, je sais pas, quelques fibres en tout cas. Mais que ça soit pas très lourd, que ça couvre pas tes yeux. Ça fait sitoche, Lily. Je sais, excusez-moi du terme, mais encore, this has got to stop you guys. Why are we still doing this? C'est presque 2021, j'insiste, ma chérie. Les cils qui te vont pas, qui remplissent ton visage, c'est vraiment pas de la classe. Heavy make-up. Le maquillage de nuit, le maquillage de soirée, que la plupart de mes sœurs mettent pendant la journée, ma chérie. Qu'est-ce qui va pas avec le contouring?
Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le highlighter qui est là? Comme ça, ça brille. Sur le visage, ma chérie, we've got to do better again. C'est 2020, ma chérie. Je sais que ça a été à la mode pendant, quelques années en tout cas, de 2016-2017 à 2018. Peut-être 2019 au début. Mais on doit faire mieux que ça, ma chérie. Tu peux pas être là en train de te balader au marché ou à 12 heures avec quelque chose qui brille sur ta joue, ma chérie. C'est pas sérieux, ça fait pas de classe, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Le maquillage de trop. Il fait chaud, il y a ton fond de teint qui fond déjà. Et tes cils, tes sourcils, tes couleurs sur les yeux. Ma chérie, choisis. D'accord. Choisis. On doit vraiment arrêter ça, mes chéris. Fais quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose de discret. Et là, pas trop de fond de teint, pas trop de mascara, pas trop de fard à paupières, pas trop de... I mean, come on. This eyeshadow game has got to stop. OK? Les bijoux. J'aime les bijoux. Même si j'en porte pas trop. Mais c'est tendance à mettre des bijoux super lourds sur le corps. Les tontines congolaises. Allez, venez, on va parler de ça. Les bijoux qui pèsent sur le corps. La chaînette là, qui te serre le cou. Le bracelet qui fait tac 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 tac, ma chérie, allez. Les tontines congolaises, allez, on va devoir parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Pourquoi? Why? Why? Tell me, why? On choisit quelque chose de discret. La discrétion. Le mot pour aujourd'hui, c'est la discrétion. On veut en tout cas que les gens sachent qui on est. On veut donner une bonne impression aux gens. La discrétion. Il faut arrêter les bijoux très lourds, ma chérie. Arrête ça, ma chérie. Voyons. Les ongles qui débordent. Je sais que j'ai moi-même des ongles. J'aime mettre des extensions. J'aime avoir des longs ongles. Mais il y a un niveau, ma chérie. C'est pas parce qu'une Cardi B ou une Nicki Minaj a mis ça dans son clip, WAP, que tu vas faire la même chose, ma chérie. On va pas se balader dehors avec des longs ongles. On dirait une sorcière, ma chérie. C'est pas... On va essayer de travailler ça, d'accord? Choisis quelque chose de plus simple, de plus doux. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui mettent des super longs ongles, t'as des longs ongles là, et c'est coloré en plus, c'est genre rouge, vert, bleu, orange. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est un carnaval? Qu'est-ce qui se passe? Une soirée déguisée? Non, ma chérie, allez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste un conseil, hein. C'est un conseil entre sœurs, entre sœurs congolaises, africaines, d'accord? C'est vrai que ce que je donne n'est pas quelque chose que vous devez absolument suivre. Mais c'est au moins un conseil qui va vous aider plus tard dans la vie. On va arrêter cette histoire d'avoir l'air too much around people. It's 2021. On va vraiment arrêter ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous en pensez, de me dire si vous aimez ce genre de content. Parce que je sais que ce ne sera pas la première fois, je sais que ce n'est pas le seul sujet que je vais aborder sur ma chaîne. Et en attendant, keep well, I love you guys and bye!